Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Donc c'est parti, on commence tout de suite par cette bouteille. Alors je vais vous montrer exactement à quoi elle ressemble, ça vous parlera un petit peu plus. Voilà, donc c'est une carafe avec une contenance d'un litre, avec son petit bouchon en bambou. Voilà, je la trouve vraiment trop jolie. Et cette carafe était au prix de 3,99€. Alors ici, j'ai trouvé une petite gourde trop mignonne. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir les motifs qu'il y a dessus. Voilà, les petites feuilles vertes. Voilà, c'est trop sympa avec son bouchon en inox. Pour la contenance, c'est 500 ml. Voilà. Alors personnellement, je peux vous dire que ça va être mon allié au quotidien pour le bureau. Voilà, elle est vraiment trop mignonne. Alors celle-ci m'a coûté 1,42€. Donc voilà, autant vous dire, vraiment pas très cher. Alors bien sûr, il y avait plusieurs motifs, hein, mais moi c'est vraiment celui-ci qui m'a fait craquer. Donc voilà pour ça. Ensuite ici, je me suis repris des écouteurs. Alors là, ce sont des écouteurs filaires vraiment tout basiques, hein, avec un embout type C. Voilà, alors certes, j'ai déjà des écouteurs sans fil, mais à dire vrai, franchement, je les charge une fois sur deux. Donc avec ce genre d'écouteurs, eh bien au moins ce sera tout le temps opérationnel. Voilà, donc ces écouteurs, je reprends mon petit ticket pour vous donner le montant exact. Donc les écouteurs m'ont coûté 3,99€. Alors toujours dans le même rayon, j'ai repris un câble, celui-ci fait 3 mètres. Voilà, alors un côté type C et un côté classique USB. Voilà, donc j'en avais déjà un, j'en avais acheté un il y a peut-être un mois de ça. Mais Dylan en fait est tombé en panne de chargeur ainsi que de son câble. Du coup forcément je lui ai donné les miens et moi je m'en suis racheté un. Donc celui-ci fait 3 mètres et il m'a coûté 2,99€. Et bien sûr comme je lui ai donné également le chargeur, j'en ai repris un pour moi mais avec deux ports USB. Voilà, alors moi je l'ai pris blanc parce qu'en fait ben, les rayons étaient quasiment vides. Mais voilà, je pense que vous pouvez tout à fait le trouver en noir. Voilà, donc moi j'ai pris ce qui est resté et le chargeur m'a coûté 4,99€. Alors ici j'ai repris du bicarbonate de soude. Voilà, ici donc il y en a 500 grammes. Alors si vous voulez faire vos produits d'entretien maison, c'est vraiment un allié vraiment formidable. Donc le pot de 500 grammes m'a coûté 1,69€. Alors ici j'ai trouvé un fixateur de maquillage biphase à l'eau de rose. Voilà, alors j'ai regardé, la compo c'est pas non plus catastrophique. En plus il sent super bon et apparemment c'est longue tenue. Donc je vous dirai un petit peu si ça fonctionne ou pas. Et le flacon donc de 150 ml m'a coûté 1,99€. Alors ici j'ai trouvé un spray pour les cheveux bouclés. Voilà, hydratation, anti-frisottis. Apparemment, il me semble que j'ai lu que c'était au lait de coco. Oui, c'est ça, donc lait de coco. Voilà, donc on verra si ça fonctionne. Habituellement, pour Mickaël, je prends un spray en magasin d'une marque, d'une grande marque. Ça me coûte assez cher. Voilà, donc on verra bien si ça fonctionne. Là, ici, on a 150 ml pour 1,99€. Donc voilà, on verra si vraiment ça fonctionne ou pas. Alors ici, je me suis pris un petit masque pour mes cheveux, voilà, qui sont plutôt secs en ce moment. Voilà, un masque à la noix de coco, 98% d'ingrédients naturels. Voilà, donc je vais tester ça ce soir. Alors ce qu'il y a de sympa dans ce petit paquet, c'est qu'à l'intérieur, on peut retrouver bien évidemment le masque, hein, la crème. Et ici, vous pouvez retrouver une petite charlotte. Voilà, ça peut être sympa pour laisser les cheveux reposer tranquillement sous la charlotte. Donc voilà, ce masque m'a coûté 1,39€. Et ici, Chloé a voulu également un masque pour ses cheveux. Par contre, elle a choisi à la fleur de lotus. Et comme pour le masque précédent, à l'intérieur, on peut retrouver bien évidemment la crème, donc le masque, mais également une petite charlotte, vous voyez, qu'on peut voir ici. Et apparemment, il est décoré de petits motifs. Oui, ce sont des petites fleurs de lotus qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est un masque relaxant. Celui-ci est réparateur et nourrissant et celui-ci est relaxant. Voilà, et pareil que pour l'autre, il a coûté 1,39€. Et là, j'ai repris un dérouleur pour mon papier essuie-tout. Voilà, le mien s'est cassé. Voilà, et celui-ci m'a coûté 2,79€. Donc voilà pour ce petit haul action.
Donc j'en ai eu exactement pour 28,91 € puisque j'étais obligée de racheter un petit cabas chez Action, voilà, d'un montant de 29 centimes, puisque j'avais pas pris de sac, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo All Action vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !